بان نخدموا في احسن 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 ظروف احسن ظروف هذه هي سي مهداوي سي ان بون اكزرسيس كملوا نواصلوا بالعربيه يعني كان امكن ان شاء الله هذه اسمها المنتخب اسمه يا لا كونكورونس الحمد لله عندنا لا كونكورونس الحمد لله لا كونكورونس سين كونكورونس سين بيناتهم بين اللاعبين ومام مام ايفيدامون موا المدرب كون جو شوازيري لو جوار شوازيري توجور ان فونكسيون دو شيك دار يجيبنا ك فوالا سي بيرفورمانس الهدف كاس كي بو رامنا ليكيب ناسيونال سا سرا توجور سا مون les critères de sélection au tennis bien sûr et ça va avec la, ce que je viens de vous dire tennis c'est un investissement que l'on peut avoir quand on vend l'équipe nationale c'est un investissement sans faille لازم واحد يجي يحب يموت على ال, على ال, على الفريق الوطني dans le passé vous avez beaucoup montré du doigt les اللاعبين اللي كانوا يجوا وما كانوش يعطوا هذا اللي كنت تستنى فيهم ماشي غير انتوما الشعب ما الشعب الجزائر دونك هادي سا دو بو اكزيستي الجوار اللي يجي هنايا لازم يعرف بلي فالوغ كي دون كي دون كي سو دون 200% باغ اكزومبل مباراه كيما بوسوانا بكل احتراماتي لهذا الفريق وهذا البلد انت راك مأهل تو ديجا كاليفي تلعب مع فريق agressif, tu peux te blesser, tu peux... Là, l'Aïbin, Habbo, continue de gagner, continue de performer, et voilà, ils ont envie de progresser dans le jeu, très important aussi, on se dit les choses, na hadro binetna, na alfo les moments qui sont qu'on peut appeler, na alfo les phases sur lesquelles on doit progresser, on en parle entre nous, et Adi, c'est très très important. Où les joueurs ont un domaine. Ils ont un domaine. Inch'Allah, on t'aime, Inch'Allah, on a toutes les Coupes d'Afrique, ou toutes les, on se qualifie à toutes les Coupes du Monde, fait le Moustakbel. Mais ça, on a un domaine, c'est pas une chose facile. Gout l'homme, profitez de ce Djil, ou profitez de ce Ferek, ou ce Tahafdou Aliha, parce que, comment ça va se passer. On ne sait pas. Moi, j'ai connu l'équipe nationale dans des situations, en tant que joueur, catastrophiques. Venir en équipe nationale et sortir mesh sahel. Tu l'as fait vraiment d'arif ou mettre même le houloul, peut-être la situation, peut-être le match. Donc, tout le monde a comme fait sur une pente ascendante, ou comme entre guillemets, tu me chauffes le main, comme on dit. Mais, elle a dit en deux secondes. En deux secondes, on peut perdre tout ça. Parce que ce qu'ils ont construit, tout dit mal l'aïbina, on est les guides. On est les guides. Huma li khedmo, huma li amlo. Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas longtemps, de ça, des petites équipes, entre guillemets, tous mes respects, qui nous jouent l'Alger, ou reprouna, ou reprou. Donc elle dit ça fait pas longtemps qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait dans le temps. Donc je dis que vous avez changé, vous avez inversé la tendance, avec votre travail, avec votre focus, l'état d'esprit qui a changé peut-être, bon, pas mal de choses. Ça, à tout moment, si vous lâchez, vous pouvez rechuter. Difficile pour construire, très facile pour détruire. Akid, je connais ما نجموش نقولوا ما كناش مركزين في هذو الايامات بصح سي سور اللاعبين عندهم سؤال اللاعبين باسكو كاين الناس اللي قالوا اللاعبين والمدرب على في على جهه والاتحاديه على جهه اخرى اللي يقولوا هذا الشيء سي دو شوز سوا ما يعرفوش الخدمه وسوا سو مالونيت باسكو سي با كوم سا باه حنايا لاعبين المدربين الطاقم الفني الطاقم الطبي توسا باه نخدموا ونكونوا مرتاحين لازمنا الناس لازمنا اون اورغانيزاسيون لازمنا ما جو سو جوست انترينور واللاعبين
الى ابو برك ما لازم لهم توت اون اورغانيزاسيون اوتور دو حاجه اللي تمشي مليح حاجه اللي هذه تكون دونك هاد سا سايتي في دو مانيير على هاد الشيء اللاعبين عندهم سؤال وعندهم ماشي يخافوا بصح حاجه اللي عندهم اليوم يحبوا في المستقبل تكون وتبقى معهم اون بون اورغانيزاسيون نجو في التربص نركزوا بس على المباراه وما عندناش مشاكل واحد اخرين دونك هذه سي سا الى كاين خوف جوست حاجه ما تتبدلش في سور لا سور sur la tranquillité, la plénitude dans laquelle on était, ben khadmo fi ahsan dorouf. Allez. C'est un bon exercice. Super. On en fera d'autres. Moi je me mettais à la place du président durant tout son mandat. Est-ce que je voyais, est-ce que j'entendais, est-ce que je le voyais subir? Ah, je disais, mais moi, si j'étais à sa place, ça fait très longtemps que je serais parti. Parce que c'était pas possible de travailler dans ces conditions. C'était vraiment un acharnement de tout instant. Des fois, de manière injuste. Et il y a un fonctionnement, il est clair, vous le connaissez très très bien entre vous. Il y a un fonctionnement très malhonnête de ceux qui tirent les ficelles. Et ça va pas dans l'intérêt du football algérien, ça va pas dans l'intérêt de l'équipe nationale. C'était juste pour des intérêts personnels. Et vous le savez très bien, très très bien. Des intérêts personnels. Où est-ce que les gens qui sont là? Alors, le fait ils ne cherchent pas l'intérêt de l'équipe nationale. Ils ne cherchent pas l'intérêt. À la fin, c'est Chab. Amuse-toi avec le feu. Tu ne sais pas ce que tu sais pas, tu connais pas les conséquences. Et à la fin, Chab les. Donc, ça, c'est les, pour moi, ceux-là, ils sont dangereux. Donc. Terminé sur une note. Moi, je suis pas l'avocat du président. J'ai pas ce truc-là, moi. Je vous le répète, et je suis pas en train de protéger Charles. Jamais. L'équipe nationale fout le coulchi au-dessus de tout le monde. Fout le jamais, comme vous dites. Et c'est pas un projet personnel. C'est un projet commun. Et j'espère que ça restera un projet commun et que personne viendra. Viendra se servir de l'équipe nationale. Mais j'espère que le prochain bureau fédéral, la prochaine fédération, perdurera et continuera de travailler comme on l'a fait jusqu'à présent.